Stop. Oh, come on. Just Y O to the C A S T E Y O to the C A S T E Y O to the C Y Y O to the C Y S T E. Hey, what's up tout le monde, c'est mon ami Jessica, c'est un garmi so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, je vous dis la vérité, il est un peu minuit 30. Je fais une vidéo, il est minuit 30. Genre vraiment minuit 30. Oh, vous allez dire qu'elle est narcissique parce que carré, j'ai ma propre tête en fond d'écran. Là, je suis pas narcissique, c'est juste que j'aime trop cette photo et tu connais. De toute façon, qui s'aime mieux que soi-même? Bon, you guys, bref, aujourd'hui vous êtes là pour cette vidéo pour qu'on parle un peu de tout ce qu'on devrait laisser en 2020. Parce que cette année a été une année très très dure pour pas mal de monde, même s'il y a pas mal de gens qui aussi qui ont dit en mode oui, 2020 pour moi a été une année très très reposante. Ça m'a permis de se concentrer sur moi. Moi-même, je pense qu'à un moment donné j'ai pensé ça, mais en vrai de vrai, quand tu fais une rétrospective sur l'année, tu te dis quand même que waouh, en 2020, t'as pas fait grand chose. Niveau vie, genre, si t'es quelqu'un comme moi, t'as pas beaucoup vécu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, pendant cette année, j'ai quand même pu analyser pas mal de choses et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on devrait laisser là, pour que quand on commence l'année, on commence sur de nouvelles roues, on prenne un nouveau chemin, que voilà, dès qu'on commence 2021, qu'on répète pas nos mêmes erreurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, bref. Bien entendu, tout ce que je vais dire là, c'est hypothétique parce qu'on sait personnellement que, genre, limite, ça se passe, tu vois, mais bon. Cross fingers, ok? Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu viens à cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais personnellement que tu vas revenir donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonne-toi dans un salon que tu vois juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Les gars, je sais pas si vous avez. Bon, je pense que vous avez remarqué que j'essaie de faire un look mais sans sourcils. Je trouve que ça va, ça passe. Genre, c'est pas moche. Dites-moi ce que vous en pensez. Genre, si c'est vraiment trop obvious que genre j'ai pas de sourcils. Parce que pour le coup, ça me fait. Je trouve que ça me fait un super gros front. Genre, en plus, avec les mèches qui tirent vers l'arrière, donc forcément. Ouais, je sais pas. Mais je trouve que ça va, ça fait pas laid, genre, non? Il y a plein de gens, concernant la vidéo d'hier, qui m'ont dit qu'on voit que ouais, putain, tes mèches elles font trop mal et tout. Genre, en mode, elles sont tellement serrées. Ouais, mes mèches elles sont super serrées, ça c'est clair et net. Mais en vrai, c'est que j'ai pas. Tant mal que ça. Personne qui a dit qu'on voit que ouais, j'avais du mal à dormir parce que mes mèches étaient trop serrées. En vrai, non, pas du tout. C'est juste que j'étais trop surexcité. J'étais content, donc forcément, j'avais la flemme de dormir, quoi. Je sais pas si je suis habitué à la douleur, mais de toute façon. Vous savez, moi, vraiment, l'un de mes kiffs, hein, quand je fais des mèches, hein, quand elles sont toutes fraîches, quand elles sont toutes rigides, c'est quand tu tires dessus. Oh my god. Oh. Les gars, quand je vous dis que c'est un de mes plaisirs. Moi, de toute façon, je vous ai dit que je suis un côté sadomaso. Donc, il y a plein de gens qui ont peur pour moi, qui pensent qu'on croit que ouais, les tresses, ça me font mal. Mais les gars, quand je vous dis que ça me fait du bien, mais genre du bien, tu vois pas. Donc, franchement, vous inquiétez pas pour moi. Même si elle serre comme ça des fois, mais je lui dis, serre. Je lui dis, serre ma mèche. Serre là. Genre, serre. Que genre, je veux sentir la bulbe. La bulbe. Vous savez, c'est quoi la bulbe? Genre, le truc de mon cheveu là, la racine de mon cheveu, je veux la sentir quitter de ma tête. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que je suis fou. Ça procure un bien. Quand elle tire. Oh là là. Bref. Vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Je suis content. J'aime, j'adore quand ça me fait mal. Vous allez me dire, ouais. Les gars, c'est mon côté sadomaso. Je peux pas faire autrement. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous inquiétez pas. Après, il y a pas mal de gens qui m'ont dit par contre que ouais, c'est pas bien pour les cheveux, etc. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis très très d'accord parce que c'est vrai que pour le cheveu, ça nique la pousse et tout. Mais bon, moi, je m'en fous parce que j'ai pas envie d'avoir des cheveux super longs. Donc, franchement, je m'en fous que ça pousse ou que ça pousse plus. Je mettrai des perruques, tu connais? Bon, ok, les gars. Le ce pourquoi vous êtes vraiment venu pour cette vidéo, la première chose qu'on doit laisser en 2020 et que ça ne peut pas passer 2021 parce que là, franchement, on en a marre. Je pense qu'on va être tous d'accord sur ce point-là. Miss Coronavirus. Est-ce que tu peux rester en 2020? Parce que je pense que clairement, tu nous as assez pourri la vie. On a compris que t'étais là. Girl, stop. Genre, stop. On en a marre. On veut pouvoir vivre. Les gens qui ont perdu leur travail peuvent pouvoir chercher du travail. Les gens qui ne peuvent plus ouvrir leur boîte ou faire des soirées ou quoi que ce soit veulent pouvoir vivre. Et par vivre, j'entends faire de l'argent. Coronavirus. Madame Corona, on a compris. Prends tes clics et tes claques, tu te casses. Prends tes clics et tes claques, tu te casses. On est fatigué. On est vraiment fatigué.
des déconfinements par-ci, des déconfinements par-là, des couvre-feux, des découvre-feux, des attestations, des amendes, des masques, cousine. Je pense que vraiment, non, les gars, franchement, moi, je peux pas, moi, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent trouver du bienfait au fait de rester confiné, mais bon, bref. Mais moi, j'ai essayé de faire carrer le mytho comme moi que oui, ça m'a apporté du bien, j'ai pu me concentrer sur moi, mais en fait, non. Non. La vie sociale, pouvoir sortir dehors et respirer. Parce que quand t'es avec ton masque, monter les escaliers, c'est la catastrophe. Moi, je sais pas pour vous, mais quand je vous dis que j'ai l'impression de faire triple effort pour faire deux pas, il y a mon poids, il y a ma flemme et il y a le corona. Et j'arrive même pas à respirer. Faut vraiment que s'il y a un vaccin, le vaccin il soit fiable. Et pas qu'on ait peur de recevoir des puces pour que, arrivé dans 20 ans, on nous tue tous là, comme ça, ça va. Non, on veut un vaccin normal. Tu vois pas? Deuxième chose qu'on devrait laisser en 2020. Bon, ça, c'est un peu une chose que je pense que ça n'arrivera pas. Ou du moins, c'est limite impossible. Même pour ce faire, il faudrait peut-être revoir tout le système. Le système. Mais bon, compliqué. Mais est-ce qu'on peut laisser les violences policières en 2020? Genre, je pense que on a assez perdu de personnes. Je pense que ça y est. Et je parle pas qu'en France, je parle dans le monde entier. Je pense qu'on peut laisser les violences policières en 2020. Je pense que ça y est. Et je pense qu'ils peuvent trouver un moyen. Je pense clairement qu'ils peuvent trouver un moyen de assurer la sécurité de tout le monde. Tout le monde. C'est ce qu'il faut retenir. Tout le monde. Encore une fois, tout le monde. C'est bon là. Je pense que ça va. On ne peut pas. Enfin, bon, personnellement, encore pour moi, j'ai de la chance parce que ça va. Je n'ai pas peur de sortir et de me faire contrôler parce que je suis noir. Voilà, ça va. Tu vois, pour moi, personnellement, je n'ai pas peur. Mais je pense à toutes les personnes qui ont peur de se faire contrôler. Je me dis, mais ouais, c'est pas normal. Genre, c'est pas normal. Je pense que les contrôles aux faciès, ça peut s'arrêter. Même si ce que je dis là, je sais personnellement que c'est utopique, je sais personnellement que c'est même limite impossible. Par la même occasion, est-ce qu'on peut laisser aussi les faux militants? Les faux militants. Je parle de ceux qui ont hashtag BLM en bio, mais qui s'en foutent. Et je dis BLM parce que c'est le seul mouvement qui est venu dans ma tête, mais ça va de même pour tous les autres mouvements. Ces gens-là, là, restez en 2020, on ne veut plus. Si vous soutenez pas un mouvement de A à Z, ne le soutenez pas. Personne ne vous met le couteau à la gorge pour soutenir un mouvement. Je sais pas pourquoi, genre ce besoin de devoir paraître impliqué aux yeux des gens, on s'en fout. Il faut vraiment que les gens comprennent ça, c'est que personne vous y oblige. Même si je dis ça, je trouve ça quand même pas normal de pas se sentir impliqué concernant les problèmes sociaux, mais bon. Chacun son chacun. Est-ce qu'on peut laisser tout ce qui est transphobe, homophobe, islamophobe, tout ce qui est phobe là, est-ce qu'on peut les laisser en 2020? Ça aussi, c'est une demande un peu compliquée, je le sais pertinemment parce que les gens sont toujours cons. Bon, voilà, on essaie quand même de demander. Parce que je pense que, moi, je vous dis la vérité, c'est que je me permets de demander tout ce genre de choses, c'est parce que je pense que 2020 a été une année dure pour tout le monde. Je pense que 2020 a été une année dure, prête, et elle a été dure, elle a été compliquée pour tout le monde, pour nous tous. On a tous vécu, on était tous dans le même bateau, on a tous été confinés, on a tous, galéré. Donc je pense que là, on a compris que on est ensemble. Donc je pense qu'il est temps d'accepter les gens comme ils sont. Est-ce que s'il vous plaît aussi, est-ce qu'on peut laisser TikTok en 2020? Genre TikTok, moi je... En vrai de vrai, l'application elle est drôle. L'application elle est drôle, il y a plein de gens qui sont drôles, il y a plein de gens qui sont beaux. Like, beaux. Beaux. Quand je vous dis des gens beaux, waouh. Des fois je me dis, mais comment des humains genre... Wesh. Pour moi, je trouve que TikTok, c'est comme Twitter. Les deux. Les gars, les deux applications, on devrait laisser ça en 2020. Genre, les deux applications. Les deux réseaux. TikTok, c'est, pour moi, c'est comme Twitter. Une déferlante de haine gratuite comme ça. Mais tu te dis, mais... Et tu regardes une vidéo où, je sais pas si c'est une personne transgenre, un gay ou un mec qui se maquille. La vérité, tu vas dans les commentaires que des insultes homophobes, transphobes ou autres. Et je sais même pas si TikTok... à une réglementation ou je ne sais quoi, mais wesh. C'est un homme ou c'est une femme? Je comprends pas, j'arrive pas à capter, c'est un homme ou c'est une femme? Que ce soit un homme ou une femme, une truite, un chat, un chien, whatever, c'est quoi ton problème? Parce que je comprends vraiment pas ce que ça va leur apporter dans leur vie de savoir si c'est un homme ou une femme. Genre c'est... Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas.
Est-ce qu'on peut laisser aussi en 2020 le beauty privilege? Madame Lar, pourquoi si tu te rapproches d'un certain standard imposé, pourquoi toi t'as le droit de plus percer? Pourquoi toi t'as le droit de plus de visibilité? Pourquoi toi t'as le droit de faire moins d'efforts? Pourquoi genre? Moi je trouve que c'est une honte. Moi je trouve vraiment que c'est une honte. Je parle pour les gens comme moi parce que je sais très bien que je m'approche en rien du tout au standard de beauté, même si je sais que je suis cute, sexy, BG, pussy wet, wah, wah, wah. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens, c'est que moi je sais personnellement que je souffre pour atteindre un certain niveau quand tu sais que d'autres personnes souffrent 40 000 fois moins que toi pour dépasser le niveau que toi tu vises en moins d'efforts, en moins de temps, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils se rapprochent d'un standard. De toute façon, vous savez très bien que moi je suis pas un mec faible. Vous savez très bien que moi je suis pas un mec faible. Parce que je parle pour les mecs comme moi, je parle pour les gens comme moi qui luttent pour réussir. Quand tu sais que t'es drôle, intéressant, que t'as une personnalité, mais que comme tu te rapproches pas des standards imposés, t'as moins de chance, c'est dur. C'est très très dur. Mais les gars, on n'est pas faible. On n'est pas faible. Ici, il y en a. Là-dedans, il y en a. You guys, on n'est pas faible. Donc croyez-moi qu'en 2021, on va continuer à monter plus haut. Oui, plus haut que les étoiles qui brillent. Pourquoi je t'ai capté? Les gars, non, vraiment, vraiment, ça c'est un message pour vous, les créateurs ou les gens qui ont du mal à créer parce qu'ils savent que genre en mode c'est compliqué parce qu'on a un certain look ou une certaine apparence ou des trucs comme ça. Bref les gars, franchement, continuez, c'est un message pour vous, un message de positivité que les gars, continuez, n'abandonnez pas. Comme je dis, hey, moi ma phrase, hein, c'est tout arrive à point, à qui c'est attendre. Peut-être que le dicton, c'est pas ça. Et bref, t'as capté. Est-ce qu'on peut... franchement, est-ce qu'on peut laisser les hommes en 2020, la tête d'homme, c'est que... Non, je dis ça, hein, mais je pense qu'en 2021, tu connais les bêtises. Mais, si je peux devenir chaste, écoutez-moi bien, si je peux devenir chaste, concrètement, les hommes ne me voient plus, hein. Les hommes ne me voient plus parce qu'ils méritent pas. Ils méritent archi pas. Est-ce qu'on peut laisser les hommes en 2020? La vérité, qu'on les laisse. Le problème, c'est que maintenant, si on les laisse là-bas, c'est qui va nous soulever? Bonne question. Qui va nous soulever? Est-ce que même je peux vivre comme ça sans être soulevé? Waouh. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment une très très bonne question. Mais bon, bref. Il faut laisser les hommes en 2020 parce que la vérité, c'est que c'est rare. On a bien vu que ce sont des rats. On a bien compris que ce sont des rats. Maintenant, restez dans les écoulements là-bas. Si je devais faire une rétrospective de tous les hommes raté que j'ai rencontré, waouh, même s'il y en a eu quelques-uns, franchement, mais beaucoup de zéro. Mais bon, après, c'est ça, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. Je le sais, hein, vous ne vous inquiétez pas, ok. Est-ce que aussi, s'il vous plaît, je pense que ça vraiment, c'est un truc qui est hyper important et qui m'attriste de ouf. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir peur de prendre des décisions? Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir peur de ses choix? Est-ce qu'on peut arrêter de ne pas avoir confiance en soi? You guys, je pense que là, il est temps que vraiment tout le monde se réveille, que les gars, vous avez tous une voix sur cette terre, vous avez tous quelque chose à apporter sur cette terre, donc n'ayez pas peur de les montrer. You guys, dites vos choses, montrez votre style, sortez comme vous voulez sortir. Mais franchement, n'ayez plus peur, parce que franchement, c'est bon, on est fatigué, n'ayez plus peur. Vous avez très bien vu comment 2020 a été, on aurait pu tous mourir. Donc si là, on est là pour vivre en 2021, c'est que vraiment, il faut qu'on ait plus peur de vivre. Concrètement, qu'on ne doit plus avoir peur de vivre. Et par vivre, j'entends vivre à 100%. De ne pas avoir peur de prendre des décisions, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire, you guys. Et de faire ce qu'on a à faire. 2021, je vais pas parler et dire que ouais, 2021 c'est notre année, parce que début 2020, j'ai dit la même chose, ouais, 2020 c'est notre année, machin. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez pensé comme moi, mais je pense que j'ai pensé comme ça. Genre, je me suis dit, je sais pas, 2020, 2-0, j'ai pas un nombre assez rond, je me suis dit, je sais pas, c'est comme si ça allait être une année qui allait nous apporter quelque chose, tu vois ou pas? Donc j'ai foi, franchement j'ai foi, et j'espère que 2021 sera mieux, même si on va pas se voiler la face, on avance dans un mur, genre on avance dans un mur, il y a même possibilité que 2021 soit même peut-être pire, mais on espère pas du tout, et on garde espoir, c'est ce qu'il faut, le smile, you guys, le smile. Est-ce qu'on peut aussi laisser, parce que bon, ça c'est plus personnel, hein, ça c'est plus personnel, est-ce qu'on peut aussi laisser les entreprises fâcheuses, les entreprises qu'elles fassent toutes banqueroute, toutes,
les entreprises qui promettent des embauches à des gens, qui ne les rappellent pas après. Les entreprises qui promettent des validations de CDI, machin, mais qui ne les valident pas parce que flemme. Les entreprises qui se servent de vous. Eux aussi, là, qu'on les laisse en 2020 banqueroute. On en a marre. Je pense qu'on a tous marre de se faire prendre pour des chiens. On en a tous marre. Franchement, ça y est. Moi, j'ai eu mon quota cette année. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que 2020, j'ai eu mon quota. Les entreprises... La bagarre. La bagarre. Ce que je veux et ce que je souhaite à tout le monde, c'est que si 2021, vous rentrez dans une nouvelle profession, quoi que ce soit, une nouvelle entreprise et tout, j'espère vraiment que tout va bien se passer et que ce ne sera pas dans une entreprise de rat. Parce que franchement, ils ne vous méritent pas. Ils ne vous méritent archi pas banqueroute. Vous vous rendez compte que j'allais finir la vidéo sans dire le truc le plus, on va dire, logique. Mais tellement je sais que c'est juste impossible, tellement c'est une institution qui est instaurée depuis. Mais vas-y, on va espérer. Est-ce qu'on peut laisser le racisme en 2020? Je sais pas si ça cause des confinements et toutes les violences policières qu'il y a eu, etc. Mais je pense que cette année, ça a été une question de racisme, mais tout le temps. Genre, tout le temps. Je pense qu'il est temps qu'on laisse le racisme de côté. Et je pense qu'il est temps aussi que les blancs comprennent qu'ils ne peuvent pas être victimes de racisme. Les gars, juste pour vous rappeler, juste pour que vous rappeliez, que c'est pas parce que t'as un ami racisé que tu ne peux pas être raciste. Oh, j'allais partir comme ça, mais les gars, les racisés. Un mot pour les racisés. Est-ce qu'on peut laisser les racisés qui sont racistes en 2020? Parce que franchement, la honte. Genre la honte. Comment un racisé peut être raciste envers un... La honte. Genre la honte. Et s'il vous plaît, on a tous les mêmes problèmes en étant racisés. Peut-être pas au même degré, mais ils ont les mêmes problèmes. Donc franchement, qu'on s'entraide. Qu'on s'entraide. La vérité, on va pas avancer. Qu'on s'entraide. Bref. Ce sera tout pour moi. S'il y a des trucs que vous voudriez laisser en 2020 et que je n'ai pas évoqué, comme toujours, libre à vous de commenter. On est ensemble. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais poster cette vidéo, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, je la posterai demain, je la posterai le 31. Je ne sais pas si vous allez la voir à minuit, je ne sais pas si vous allez la voir le premier, vous allez voir le premier ou après, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite une très, 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 très bonne année. Mes meilleurs voeux. Une belle santé, votre famille, vos amis, vos proches, que vraiment tout se passe bien, que vos projets réussissent, que vous faites tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous planifiez de faire, que vous réalisez vos rêves, c'est tout ce que je vous souhaite, que du bonheur. Comme je dis, je sais que peut-être que 2021 va être aussi dur que 2020, peut-être voire pire, mais on croise les doigts et on espère que 2021 sera mieux et qu'on pourra tous enfin voyager. Et surtout qu'on pourra tous faire la fête. You guys, on mérite de faire des fucking fêtes. Like what? Les gars, dès que la première boîte elle est ouverte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est la prochaine fois que vous allez revenir. Donc revenez en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.